Bonjour les Pokéface, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mon compte qui est banni, enfin qui était banni 3 ans, qui est actuellement débanni après 3 ans. Donc j'avais déjà filmé cette vidéo, mais comment dire, j'ai rien saisi mon ordi car il buguait un peu. Donc du coup j'ai plus la vidéo, du coup je vous la refais. Donc déjà le compte est débanni, donc du coup ça veut dire que si vous restez un siècle sur le jeu et que si vous restez un siècle sur le jeu et que si vous avez toujours le mot de passe de votre compte banni 37 000 jours, vous serez débanni au bout des 37 000 jours. Mais vu que c'est un siècle, vous n'allez pas rester sur ce jeu éternellement. Donc du coup voilà, il est débanni après 1000 fucking jours. 1000 jours, vous vous rendez compte, 1000 jours quoi. Ender. Ah, t'es débanni. Ouais, je suis débanni. J'avais pas envoyé de message à mon compte Guignou. Vous voyez, il y a un an. Enfin, en fait, je m'étais fait un auto il y a un an. Je sais pas pour quelle raison, mais je me suis fait un auto. Donc voilà, donc si vous voulez la preuve qu'il était banni, vous allez sur ma vidéo. J'avais fait une vidéo. La vidéo c'est bientôt débanni d'un compte banni 3 ans. Donc allez la voir si vous voulez la preuve, entre guillemets. Donc du coup, le pseudo c'est Chespace Noël, enfin comme ça, voilà. Donc demandez-moi sur le compte, je vais accepter tout le monde si je pense à me coder dessus, bien sûr. Du coup, je vais vous réexpliquer comment j'ai été banni. Donc, comme vous voyez, ce compte a les yeux rares. Un moment, en 2014, donc il me semble que c'est bien en 2014. Oui, bon, bah. Au passage, joyeux Noël. Donc en 2014, il y avait un glitch avec Charles Proxy. Et on pouvait faire les yeux rares. Donc vous voyez, là, c'est les yeux rares VIP de... qui ont été retirés en 2013. Donc du coup, une fille avait fait ce compte et elle me l'avait échangé. Donc elle me l'avait échangé contre le hack by Lisa justement, parce que le hack by Lisa n'est pas très répandu à ce moment-là. Je l'ai eu par une personne. Le hack by Lisa, je l'avais eu par une personne qui l'avait acheté. Donc de base, le hack by Lisa était payé. Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et du coup, je vais échanger contre ce compte. Et elle, ce que je savais pas, c'est qu'elle avait mis des star coins. Juste avant, elle avait mis des star coins et on était limité à 10 000 star coins par jour, il me semble. Du coup, elle avait mis, je sais pas, 10 000, peut-être 10 000 star coins, il me semble. Et du coup, moi, je savais pas qu'elle avait mis des star coins, du coup, je l'ai remis. Résultat, le compte a été banni définitivement pendant 1000 jours. Parce que de base, le hack by Lisa ne bannit pas 37 000 jours, mais il bannit que 3 000. Et 3 000, ça fait... non, pas 3 000. 1000 jours, ça fait... 3 ans. Et du coup, voilà, il est débanni. Donc j'ai refait un look, etc. Donc le fait que je l'ai changé aussi. J'ai demandé des gens en ami, donc voilà. Du coup, cette vidéo était un peu courte, mais voilà, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Et encore une fois, joyeux Noël!